Des élections législatives se tiennent ce dimanche au Monténégro et le choix des électeurs de ce petit pays sur les bords de l'Adriatique se trouve entre l'opposition pro-russe et le parti du pouvoir pro-occidental. Milo Djukanovic, le premier ministre sortant, accuse l'opposition d'être à la solde de Moscou. Le parti démocratique socialiste de M. Djukanovic est donné favori mais aura des difficultés à remporter la majorité absolue. L'opposition se rassemble autour du Front démocratique, une coalition qui critique les négociations en cours en vue d'une adhésion à l'Union européenne et rejette l'invitation de l'OTAN à rejoindre ses rangs. Les Monténégrins sont majoritairement orthodoxes et le pays a pour allié traditionnel la Russie qui voit rouge à l'idée que Podgorica rejoigne l'Alliance Atlantique.